Alif nous a vraiment aidés. Le musée est revenu à son état d'origine et c'est ce qui nous a vraiment permis de guérir de cette explosion. Le symbole du Liban, c'est sa culture. Et ce qui m'a rassurée, c'est de retrouver le nombre de visiteurs, si ce n'est pas un peu plus qu'il y avait avant même la crise financière et l'explosion. La réouverture nous a montré à quel point ce musée est essentiel. Vous allez m'aider, je ne vais pas le faire seul. Je ne peux pas le faire seul. Au lendemain du 4 août, on s'est dit mince, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a deux options, soit de faire ça vite et d'oublier un peu le patrimoine pour que le bâtiment soit très vite utilisé. Soit alors on se dit non, on veut que ce bâtiment retrouve sa beauté d'origine, on veut laisser un héritage à nos enfants parce que cet héritage, il est pour eux. Vous êtes les sauveurs du patrimoine. Merci beaucoup. استفادات أكثر من الدروس اللي كنت أخذهم صرت أخذ كل شي دروس أخذها بروح على البيت برجع براجع على حالي صرت أتعلم كيف أتعامل مع الأشخاص كيف بدي لاقي شغل أكثر كيف بدي وصل طموحي أكبر يعني أعرف كيف إنه أتخطى المراحل الصعبة كيف أطلع من دائرة الخوف تبعي إنه أصير إنسان ناجح. Tous nos bénéficiaires ont des profils vulnérables. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas eu la chance de se former ou d'avoir un métier en main. Et l'idée là, c'est de les préparer au marché du travail plus tard. It's like a family here. We work with it with each other. We support each other. We exchange experience with each other. I've learned a lot about woodworking, especially restoration of old wood. لكن هون لا أكيد تعلمت الرسم بطريقة كيف أخدم هذا المكان التراثي. فأكيد مش ما في شيء عن هوا لا بدك تكون كتير دقيقة. I was interested in lime plastering specifically because I'm interested in lime as a natural material. It's available in our country and it's a lost trade. Learning it will benefit me. C'est un projet qui répond à la fois à la vocation patrimoniale d'Alif, c'est-à-dire la réhabilitation d'un site patrimonial important, mais aussi ce sentiment de soutien à la jeunesse de Beyrouth, à sa formation, à son accès à l'emploi. L'aide de Alif a été comme une boule de neige. Grâce à Alif, on a eu beaucoup d'aide de plusieurs autres partenaires. Jusqu'à maintenant, on a pu sauver plus de 70% des bâtiments historiques de Beyrouth. Le peuple libanais est un peuple éduqué. Quand ils voient que leurs institutions culturelles sont en train d'être restaurées, ça donne beaucoup de l'espoir parce que ça compte pour eux. Tous les travaux que j'ai vus ont été exécutés avec beaucoup de soin. Quand on intervient 50 ans après la réception d'un édifice,
On ne se souvient plus. Donc l'idée, c'est de tracer ces travaux, ce qui permet à la fin de conseiller au propriétaire un guide d'entretien qui lui permet de savoir exactement ce qu'il faut faire sur l'édifice à 10 ans, 15 ans, même au-delà. Notre ambition, c'est d'être reconnus comme les ambulances du patrimoine, c'est-à-dire que notre agilité nous permette d'intervenir immédiatement. Et nous avons compris, par le retour d'expérience que nous faisons ici au Liban, que le fait d'intervenir immédiatement procure aux gens autour une forme de résilience.